some strength in me. Possibly. Your suffering will be legendary, maybe. Even in hell. Even in hell, merci pour ce... Oh, ça commence à bien faire, hein. Tous les soirs, cet avertissement de Pinhead. Bon. Partie 6, hein. Partie 6 de l'excellent Evil Within. Est-ce que bon, on est bon là, au niveau de la lumière, tout là, le chien, ça va, oui, bon, ça m'a l'air pas mal. Donc, nous nous retrouvons pour cette partie 6, nous étions avec la nurse. Voilà. On va continuer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va continuer. Dis donc, on serait pas un petit peu en mode. Mon écran de PC là, il serait pas un petit peu en mode. Comment on dit? Nocturne? Il veut pas. Et oui, voilà, et ben voilà. Et la lumière fut. Salut Nick Taras, bonsoir ma petite souris, bonsoir. Bonsoir mon ringondin. Hein? Bonsoir mon ringondin. Donc voilà, là j'ai vu, on a que 5000 en mucus, on est d'accord, ça vaut pas le coup d'aller faire une petite upgrade. Hmm. Bon, on se redirige vers le miroir. Hein. Le petit chat. T'as vu un petit chat toi? Où ça, un petit chat? Qu'est-ce que c'est? Chat, ah oui. C'est ce que j'ai en train de me dire. Hein. Coquin. Alors t'as vu, je sacrifie mon samedi soir pour être avec toi. Avec vous. Alors combien on va être ce soir? 10, 15 000? 0? On ne sait pas. Il y a un turnover qui s'effectue maintenant. Hein. Depuis qu'il y a 35... follower, moi ça me ravit. Alors certains diraient c'est peu, certes c'est peu, mais ça fait plaisir. Tu sacrifies ton samedi soir, tu avais prévu quoi? Une sacrée soirée. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On doit aller par là? Hein, je crois bien. Ou alors que c'est par ici qu'on était venu. Qu'est-ce que c'est que c'était? Allez, d'accord. On va voir ça plus tard. Bon, vraisemblablement, on est sur le bon chemin parce que j'ai pas looté ces choses-là, regardez. Un écrevisse. Un ou une, d'ailleurs. Mais je crois qu'on dit un écrevisse, hein, justement. J'étais en train de me dire une écrevisse, mais je crois que c'était une erreur. C'est une erreur que tout le monde fait, mais on dit un écrevisse. On se fait carreau électrique, hein, cette fois, hein. Mais merde, je dis ça et je me fais un explosif. Eh oui, oui, oula, 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 oula. Tout doux la bestiole, tout doux ma belle, tout doux ma douce. Tout doux ma douce. On va être obligé de se battre avec lui, hein. Je me sens gros comme une maison. Bon, on va se préparer alors d'ailleurs. On va prendre des explosifs, on va être bien. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est féminin. Ah, c'est une! Bon, bah, c'est une alors. Hein. Écoute. Tu sais, c'est pas parce que je suis auteur que. Oh, mais dis donc, elle nous en veut gravement! Même en... Tu sais, je suis auteur, mais je fais énormément de fautes. Hein. C'est chacun son métier, hein. Il y a les gens, c'est des gens que c'est des correcteurs, puis d'autres, bah, ils sont là pour écrire. Moi, je fais beaucoup de fautes. Hein. N'empêche pas d'écrire, mais... J'en fais moins, maintenant. Allez, le shotgun, ça fait quand même une... On remarque, la petite grenade, c'est très bien. Hein. On a plus de vie, on est dans la merde. Et sinon, au figuré, rare, pleutre, qui recule au lieu d'avancer. Ah oui, c'est dans ce sens-là que tu voulais le dire. Cinématique. Bordel de merde. Allez hop, allez hop, allez hop. Je reviens tout de suite parce que ça sent le fight, hein. Bon, le truc est bien. C'est qu'on a de la grenade. Il est drôlement véloce. Attendez, on va mourir là.
Il m'a coupé en deux. La voiture en mousse, tank, L4D. Hashtag L4D, ça je comprends pas. L4D, peut-être. J'essaie de te comprendre. J'essaie de comprendre le nick ta race. Ah, Left 4 Dead. Bon, peut-être qu'il faut qu'on court, hein. Déjà, on va aller se mettre là. Ah tiens, très bonne idée. Oh là, non. Pardon, c'est pas ce que je voulais. Non, attends, je vais te lire après, hein, tu te doutes bien. Là, c'est quand même un petit peu complexe. Mais je suis bloqué par quoi? Ah, il y a une voiture. Pardon, autant pour moi, madame. Alors, direct, c'est le boss, là. Hein. Allez, viens là. Regardez, on va se le faire au les bidons. Je suis plein. Façon de parler, hein, évidemment. Mais il m'a encore chopé. Attendez. J'ai plus de flingue. Chaud, hein. Et je peux pas passer. J'espère que ça va fonctionner. Non, ça ne l'a pas effectué. Putain, c'est difficile. Dans ce jeu, il y a de gros molosses dans ce genre qui balancent tout le monde sur les tanks. Ce sont les tanks. Ah oui, et j'y ai joué, hein. À Left 4 Dead. Yes, il te chope quand tu es en face de la porte. Je pense qu'il faut que tu te foutes sur le côté. Oui, bah ça... Merci bien. Mais cette petite pièce... Ouais, j'ai pas le temps de lire, là. Bon, les bidons, il faut les optimiser, hein. Déjà, on n'a pas de vie, hein. Oh, ça a pas marché, fait chier quand même là. Merde, je me suis fait encore avoir comme un con. Mais peut-être qu'il y a Joseph sur son épaule. Non, ça sert à rien. J'ai fait n'importe quoi. Faut que je me concentre, hein. Excuse-moi. Qu'est-ce qui monte là? Ça sert à rien. Putain. Ah, je loupe tout là. Faut que je reprenne le...
faut que je reprenne le fusil à pompe. Ou la mitrailleuse. Et le fusil à pompe qui se trouve là. C'est chaud. Évite de me marquer trop de messages, j'ai pas le temps de les lire. Hein. Tu comprendras bien. C'est chaud hein. Là je vois pas. Ah bah non, moi tu m'avais rien écrit. Il y a Joseph sur son épaule, non. Yes, il te chope quand tu es en face de la porte, ça je l'ai lu. Je pense qu'il te faut que tu te foutes sur le côté. Mais cette petite pièce est bien utile pour te flinguer la dégueulasse. Ouais. Exactement. On va y arriver, mais je vois pas comment. Pff, n'importe quoi. Bon bah là on peut recommencer déjà. On peut pas ramasser les trucs. Il est où? Putain. Ça lui a rien fait. Bon allez, on laisse tomber là, on est mort. Il a peut-être une Xbox, genre un œil. Non, mais ça, je l'ai vu, l'œil. Oh, nique ta race. J'ai 42 ans, bien sûr, je l'ai vu, l'œil. Mais au moment où il ouvre, malheureusement, j'ai pas le temps. Ça, je me fais avoir à chaque fois. Allez, allez, j'ai plus d'endurance. Putain, je me fais baiser aussi, mais bon, ça le bute bien quand même. Il va revenir, mais en fait, il me chope, hein, quoi que je fasse. Ça lui fait que dalle, c'est vraiment de la merde hein, ces trucs aveuglants là. Ah non, c'est super chaud hein. Je suis désolé. Là c'est super chaud là de but en blanc, on commence la partie c'est direct ça. Oh là. J'étais pas prêt. Je vais me remettre de la vie. Hein. Allez, 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 j'ai plus.
je suis obligé de me faire avoir. Espérant là, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne pas. Putain, mais j'ai... Non, je veux pas ça. Je l'ai eu. Oh mon dieu, putain de merde de... Oh là là, le pop pop pop. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Bon. Eh ben dis. T'es pas mal là, hein. J'ai cru qu'on allait pas jamais la voir. Hein. C'était l'œil, hein, mais bon... Et on n'oublie pas de ramasser son mucus. Hein. Ah, c'était propre. C'est dommage qu'il n'y ait personne. Parce que là, j'ai... Là, on a pu briller en société, là. Allez, par contre, je loupe tout. Hein. Merci pour ton hier. Hein. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, le chien t'a pas salué. Hein. Tu m'en veux, là, toujours. Pour moi, la politesse est essentielle. Hein. Putain, il y avait un soin ici. C'est lui qui l'a fait. Ouais. C'est bien ce que j'avais lu. Bon, je fais un petit tour des lieux, hein, parce qu'il y a forcément des munitions un peu partout. Et on pouvait se cacher sous la caisse. Très intéressant à savoir, mais complètement inutile. Bon. Ah, puis là, voilà, j'ai bien fait. Ah, mais là, le chat est complètement sur la gauche. Oui, c'est une nouvelle version. Putain, là, il y avait aussi un carreau explosif. Il y avait plein de trucs partout en fait là. Je crois que j'ai encore oublié un truc, non? C'est bon. Est-ce qu'il serait pas mieux en bas le chat? Au-dessus de moi. En fait, j'ai remarqué que le chat gênait un petit peu la vision pour voir le personnage, mes armes. Bon, allez, on y va. Eh ben dis donc, quelle séquence! Hein? Comme ça on peut mettre la mouche, ça gêne plus, ça gêne plus. Et ben voilà, c'était la fin du chapitre 10, bordel de couillos. Pardon, oh là là, ça y est, je suis vulgaire. Ça y est, je suis vulgaire. J'espère qu'il va y avoir une belle cinématique. Parce que j'ai envie de fumer. Une belle petite cinématique, ça peut être sympathique. A priori, Laura, Eve n'est pas là. Comment il s'appelle notre ami d'hier? Benz. Allez, cinématique. Thank you.
Alors de savoir que Eve, chapitre 11, retrouvailles, savoir que Eve est sur Animal Crossing, alors que je suis un être exceptionnel, et qu'on joue à un des meilleurs jeux qui était sorti en 2014, ça me brise mon cœur, ça me brise mon petit cœur. C'est une fille, alors bon, je me fais une raison. Mais William, oui, ça fait longtemps, hein. Je crois qu'il a, il a mal pris certaines choses. Hein. Je crois qu'il a fini son arbre généalogique et qu'on le reverra plus, peut-être. Mais il est toujours abonné. Mais c'est ça, il faut qu'on ait un turnover, Nick Taras. Puis on est samedi soir. Ouh là là là, regardez-moi ça. On dirait que l'asile est le dernier bâtiment encore debout. Comment c'est possible? Oui, t'es un petit peu spécial. Hein. Très gentil, mais un petit peu spécial. Alors oui, comment ça se fait que l'asile est encore debout? Ouais, on le voit là, l'asile. Hein. Bon, on va tirer ça au clair. Puis il y a Bad Bug Gaberang aussi, que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu. Et puis aussi notre ami, tu sais, sur visage, Aurel. Peut-être on va aller voir ce soir. Des fois, on est surpris. Suffit pas grand chose, c'est complètement aléatoire Twitch hein. Complètement aléatoire. Puis on est samedi soir, voilà, le samedi soir les gens ils ont un petit peu envie de se saouler. Se saouler. On peut bien comprendre. Et évidemment les gens sortent. Black Hair Curse, nous on a envie de le voir ce film hein Nick Taras. Nous on a envie de le voir ce film. Oh bah disons c'est l'apocalypse là. On va se crafter quelque chose vite fait là. D'accord? Oh bah on peut pas. Ça c'est réglé. White Fog. On a envie de le voir aussi ça. Tous les deux là on a envie de le voir. On ira le voir Cinoche. J'ai peur de louper des choses à looter. C'est pas mal fait quand même hein. Qu'est-ce que t'en penses du jeu d'ailleurs, toi qui trouvais ça un peu action? C'est vrai que c'est très action, mais t'as vu quand même. Oula! Ouais, c'est sympa. Easter egg. Comment tu le trouves le jeu? Tu comprends? En fait, manette en main, c'est quand même beaucoup plus agréable que de regarder, évidemment. Mais t'as vu, c'est... il se passe plein de choses, ça change tout le temps d'environnement. C'est quand même... il y a de bonnes idées de design, les monstres sont bons. C'est pas facile, il y a du challenge. C'est pas mal quand même. C'est joli, c'est impressionnant, mais ouais, action, ça reste du shoot. Je suis pas furie de jeu de tir, ouais. Ah, c'est du... oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. En fait, voilà, c'est vrai que c'est très agréable à jouer. Moi, je prends un pied fou, là. Et oh, toi ! Je l'ai eu hein. J'ai perdu une balle pour rien. Oui ça joue sur le skill. Non mais c'est un jeu qui est pas évident hein, quand même. Mais ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Parce que ça y a du challenge. Et encore on n'est pas dans le mode le plus difficile hein. Mais artistiquement, t'as vu, c'est quand même, il y a énormément de bonnes trouvailles, quoi. C'est un jeu japonais, on le sent bien, quoi. De très bonnes idées. Oh là là là! Bien, par exemple, ça, ça m'a foutu les jetons, évidemment. Ah non, mais BioShock, c'est fantastique. Il faut absolument que tu le fasses. Moi, j'ai fait les trois là. J'ai terminé le troisième sur Switch. J'ai les deux autres sur PlayStation 3. Non, non, fais BioShock. Tu vas adorer. L'histoire est super. Et puis c'est pas du bourrinage. Non, non, c'est de la technique. Il faut... c'est pas du bourrinage, BioShock. Hein. Détrompe-toi. Ah, y a, c'est un jeu de shoot, évidemment. Mais c'est pas du Call of Duty, quoi. Non, non, puis le... En plus, là, ils vont ressortir la... en HD Remaster. Ils l'ont ressorti en HD Remaster. Oh putain, mais ça, c'est dégueulasse. Je l'ai pas vu venir. Oh bah dis donc, il est drôlement vénère lui. On va se calmer là tout de suite déjà. Bon déjà toi. Voilà. Ah je déteste quand je peux pas les cramer et qu'ils me remettent un petit coup. Alors le pompier pyromane.
Ah bah alors là, si t'aimes l'art déco, là tu vas vraiment te faire plaisir. Parce que c'est ça. Bon, après, je sais pas comment il a vieilli. Salut toi. Pour le plaisir. Bah merde, je pensais que je pouvais passer par là. Pour le plaisir. Monter sur la caisse peut-être. Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Ah bah voilà, tout simplement. On l'a tué en fufu. Et c'est ébloui, évidemment. Je le crame, hein, parce que j'ai aucune confiance. Bon, on s'est fait plaisir au niveau balle de shotgun, mais... pas sûr que c'était le mieux à faire. Hein. Bon, lui, il y a l'inspecteur des impôts, là. Et j'aimerais bien me remettre le snipe. Ça fait longtemps. Surtout qu'il me reste... j'ai que 2 balles, hein. On va se mettre le snipe. On va se mettre le snipe en haut et le shotgun en bas. Je suis désolé là, je perds un peu de temps, mais pour moi le snipe c'est toujours en haut. Ah merde. Salut Coco. Eh oh là ti. Et puis il pouvait passer à côté, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Ah, j'aurais voulu faire le headshot juste avant. J'ai plus que 2 balles. Ah, joli. Ça m'a remboursé. On aimerait bien y aller là, ici. On le sneak. Mais quel con! Je fais tout à l'envers. Pff, n'importe quoi. On est obligé de le tuer comme ça. Ah, ils sont plus véloces ceux-là. Hein. Je suis obligé de faire le snipe. Le roseau qui a pris la balle. On a 1 balle. 7 shotgun. Là, on a une explosive, on va la garder en secours. Bon, on prend le shotgun. Hein. Pourquoi je suis monté là? Je suis venu là. Pas parce qu'on peut monter. Ah, j'ai quand même une grenade. Mais attendez, là, il y a un truc que j'ai certainement pas vu. Forcément, un truc à looter là. Voilà. T'es sûr. C'était certain. Par contre, que la porte soit fermée là-bas, ça m'intrigue. Hein. Ah oui, on pouvait passer aussi par ici. Et là? Non, que dalle. Bon, ok. Hop là. Allez, c'est parti. Non, je sens que ce soir, il y a des gens qui vont nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Pourquoi on est pas... Ah ben, très bien. On se recharge, ok. Là, on est très bien. On est bien, là. Alors, par contre, comment on... Par où on va? De quoi? De caisse? Attendez... Ah bah y'a une porte là, voilà. J'essaye d'être moins tête en l'air. Fait du bien ce petit niveau calme. Oui, mais oui, c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que... Ah bah d'accord, c'est fait. Ah bah ça y est, on peut y aller. Sniper. Ah mais merde. Allez, ceux qui se relèvent, on les crame. Voilà. Putain, un soin, ça fait du bien. Oui, ça change des corridors, mais ce jeu est bien. Le rythme est très bon. Les boss sont jolis. Non, vraiment, c'est un très très bon survival horror. Et t'as vu, on n'a pas énormément de balles. Et encore, je suis en New Game Plus. Alors, imagine la première run, tu vois. Là, je suis en New Game Plus. J'ai mes armes qui sont optimisées, la puissance et tout.
je le crame, hein, il va se relever. Vieille clé. Porte-clé trouvée près du corps dans l'allée. On s'en servait pour protéger le matériel dans la zone de stockage. Et dans Bioshock, les petites sœurs alors, faut les buter. Ah, tu verras. Oula oula, qui me tire dessus là? Qui de quoi d'où? Elle est là-haut. Y'en a un autre derrière moi là. J'en entends de partout. Oh là là, il me reste un snipe. Non, plus de... Oh putain! Il est pas mort, hein. Ouais, ben voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est que si tu choisis de pas les tuer ou de les tuer, tue-les toutes ou ne les tue pas. Voilà. Ça, c'est important. D'être cohérent. C'est la seule indication que je peux te donner. Mais merde! Allez. Mais je l'ai eu! Putain. Allez, on se casse. Ils vont nous suivre? Évidemment. Putain, on est dans la merde. Allez, on se fait les deux. Oh, c'est joli ça. Non, il n'y a pas besoin de le cramer lui. Tu vois là, il faut optimiser, hein. Il faut optimiser. Non, je t'assure, la première run là, quand t'étais... Parce que là, j'ai mes balles qui sont au maximum, tu vois, je vais maximiser mes armes. La première run, putain, mais t'en chies. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On descend? Oui, voilà. Faut passer derrière le truck. Oui, voilà. Hop là. Un petit saut tout doux. Pas besoin de cramer un mec sans tête. Oui, voilà. Exactement. Il y a un truc là. Voilà. Non, non, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ah mais non, ça ne servait à rien de venir ici. Ah bah alors. Pouh, il a fait une roulade qui ne servait à rien, j'adore. Hein? C'était beau, hein? Petite roulade là qui servait à rien, j'aime bien. Vous savez quoi? J'ai un peu chaud. Je vais retirer mon pull. En direct. C'est lui qui vient de faire hop. Oui, je crois. Allez, striptease. En plus, t'as beaucoup de chance, j'ai un t-shirt Darkthrone ce soir. Ah, il est très soft. C'est un t-shirt Darkthrone très soft, comme tu peux le voir. Et le logo noir sur noir. Hein? Il est très... comment on pourrait dire? Intimiste. Hein? Sûr qu'il va te plaire. Voilà, allez hop, on recommence. Enfin, on recommence. On se remet dans le jeu. Allez. Bon, du coup... On doit redescendre par là? Je comprends pas. Ah mais il y a le camion là. Oui voilà, c'est bon. Il y a rien à looter ici? Non, parce que moi je suis à l'affût de chaque petite brindille, chaque petite munition. On l'a vu lui, hein. On peut peut-être l'avoir en fufu.
suis même pas sûr de l'avoir déjà écouté. Moi j'aime que Transylvanian Anger. Ah bah bravo, on s'est fait avoir comme des... comme des amateurs. Bon, on est là. Il y a du mort un petit peu partout. On pourrait passer sous le tuyau. Ça me paraît de la meilleure idée. Ouais, c'est ça. Oh merde! D'accord. Alors, une nouvelle idée de gameplay là. Pardon pour la petite fumade. Bon. Ah bah on peut pas. Voilà. Ça nous évite de se faire baiser. Et monte! S'il te plaît. Ah bah putain, il m'a fait tomber. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, 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 voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça sert à quelque chose, ça? On peut faire tomber un corps avec ça? Je crois pas, hein. Non, ça fait que dalle. Si. C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'affiche. J'avais les yeux sur le... sur le monstre. Faut que j'oublie de recharger, hein. Putain. Je ne retournerai pas dans l'autre sitôt. Très bonne initiative. Je remonte un peu parce qu'il y a toujours des choses à looter, ouais, voilà. Ah bah y'a... ah si. On n'a pas souvent de la vie, hein. J'ai jamais eu plus de 2 soins sur moi. Ça veut dire que je joue mal, quoi. On va retourner vers le... vers l'asile, hein. Oh là 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 là. Une balle de shotgun. Ah oui, toi t'as le temps de regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, la crame elle. Hein. Voilà, elle était pas morte, hein, c'était sûr. Bon, la musique. Ça n'annonce rien de rien de bon pour nous. Ah, il est encore là, lui. Il va falloir l'éviter. Anders Breivik. Oh, c'était risqué, bah, bon, voilà. J'ai merdouillé. C'est ma faute. C'est ma faute, là. Là, là c'est ma faute. J'aurais peut-être dû mettre que les messages... Merde. Tiens, pendant qu'on est que tous les deux, je vais mettre que les messages disparaissent au bout d'un certain temps. Voilà. Attends, voilà. Attends, hop. 120, ça me paraît bien. Voilà, excuse-moi. Ah bah, j'ai fait disparaître le chat, du coup. Si tu peux me remettre un message pour que je vois si ça fonctionne, excuse-moi, j'ai merdouillé. J'avais mis que le message était permanent, je me suis trompé. Fatality, ah oui, là, c'était la fatality, ouais. Voilà, coucou Romain, c'est parfait. On la crame, elle, ou pas? Non, hein.
Alors, qu'as-tu tenu dans ton panier? Il va falloir qu'on utilise... essaye de comprendre. Bon, il va falloir qu'on passe par là. Ouais, mais bon, c'est fermé, là. Je pourrais même décaler un peu le chat, hein. En fait, ça dépend des phrases. Si elles sont longues, je crois que ça c'est ça que je veux, c'est que ça prenne moins de place. Putain, mais... Putain, c'est pas évident, hein. Vraiment, c'est pas évident. Putain, j'ai plus de balles. Putain, je galère là. Allez, cours. C'est bon. Ah, la taille est peut-être un poil petite. C'est quoi, juste une copie. Ok, c'est bien que tu me le dises. Je me rends pas compte, moi. Je me rends pas compte. Je vais la mettre un tout petit peu plus grosse pendant qu'on est ensemble. Boîte de chat. Allez hop. Paramètres de police. Allez, elle est petite là. Je vais mettre quoi, 24. Hop, tu vas me dire. C'est du beau travail, merci. Bah, c'est bien là qu'on est tous les deux, comme ça nous permet de. De bouiner un peu. Il y avait un landau, j'ai même pas fait gaffe. Attends, j'ai plus qu'une balle. Attends, il y avait un truc à ramasser là. Une balle de shotgun, putain, oui, on en a besoin. Et t'as vu, on est ric-rac, hein. Pardon. Yes, nickel. Tu pourrais même le décaler un petit peu, hein. En fait, faudrait que tu m'écrives une très longue phrase là pendant qu'on est ensemble pour voir comment ça. Si je peux le décaler vers la droite. J'aimerais voir jusqu'où va tes phrases. Est-ce que tu peux me faire ça? M'écrire une longue phrase pour qu'on se rende compte ensemble. Comme ça, le chat sera parfait après. Tu peux me marquer n'importe quoi, hein. Ça serait très gentil. Sans te commander. Moi, je rêve. Pour voir si ça touche le bord, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ou alors, sinon, je le décale. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça. Il va me faire un copier-coller d'une saloperie, je le sens bien. Je commence à te connaître. Oui, oui, c'est moi. Ça va ? C'est moi le détective. Vous vous rendez bien compte que personne ne viendra me remplacer. Non, vous êtes irremplaçable. Ben voilà, parfait. Oh, vert, noir compagnon sans oreilles, sans yeux. Venez venir en vous, un mort libre et joyeux. Philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords. Et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Très bien. Exactement ce que je voulais. Bah, tu vois, c'est parfait, ça permet de minimiser un petit peu. Bon, du coup, on va aller se sauvegrader un tout petit peu. De toute façon, le samedi, j'ai remarqué, c'est toujours très calme, hein. C'est pas grave, il y a beaucoup de vues, hein, quand même sur Twitch, c'est pas mal. Je fais le plein de tous mes viewers, en fait, quand même. Les gens qui me suivent me regardent, ça c'est quand même bien. Les carreaux explosifs, on augmente, hein. Je suis désolé, mais... carreaux électriques, également. Carreaux aveuglants, on en a rien à foutre, je suis désolé de le dire. Les grenades, c'est pas mal. Les seringues, on en a jamais assez, mais on s'en fout. Le flingue, il est au maximum. Le magnum, on s'en sert pas.
Multiplicateur de dégâts, ah, ça on le fait. Hein. Pour le fusil à pompe, ça c'est une certitude. Cadence de tir, vitesse de rechargement, ça c'est très important. Capacité du chargeur, c'est trop tard. J'ai plus assez. On peut juste faire la vitesse de rechargement. Allez hop, c'est bon. Là on a bien optimisé. Comment on n'a pas Dieu? Ça je comprends pas. Vert noir sans yeux, voyez venir, comment on n'a pas Dieu? D'accord, on est encore dans la chanson quoi. On se barre tout de suite là? Ouais. Je sais pas si j'ai ramassé des clés. Je sais pas si j'ai ramassé des clés et si on aurait pu. Non, je veux pas retourner dans le. Non, il... Qu'est-ce qu'il me fait faire? Il me fait retourner là? On veut pas nous. Oui, voilà, c'est ça, non mais. Je vous attendais. Ah, il fallait qu'on y retourne, hein. Non? Ce que je veux faire, c'est que je veux vérifier si j'ai pas ramassé une petite clé. On va ouvrir un coffre. Baudelaire, ah! D'accord. C'est du Baudelaire, du coup, je ne savais pas. Non, on a zéro clé. Je pense que j'aurais pu le voir avant de. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des fois il y a des choses et puis des fois il n'y en a pas. Bon, allez. On tourne en rond là. Allez. On presse le pas. Petit coup de botte. Ah non. Cette porte-là, il la respecte. À chaque fois, c'est la porte de la nurse. Mais jamais un coup de botte. Hein. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est quoi ce travail? Tout est décrépit, tout est dégoûtant maintenant. Vous avez vu? Ça part en ruine, hein. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Ah oui, voilà, je l'avais pas vu. Ok, j'ai compris. Là, j'ai failli tomber. Point de contrôle. Petit truc à looter, là, non? Allez, on descend dans les abysses. On peut pas, là? Ah oui, d'accord, c'est ici. Alors, ça va commencer à devenir un petit peu chaud, hein. Évidemment, le jeu devient de plus en plus dur, hein. J'ai souvenir qu'ici c'était chocho. J'attends qu'il y ait les deux. Voilà, déjà ça c'est pas mal. On va essayer d'optimiser. Hein. On a ramassé une grenade. Alors l'idée c'est qu'on se la mette. Hein. Le shotgun on n'a plus rien. Le flingue on a rien. On va se mettre le shotgun ici. Mais on a plus rien en shotgun. Ah non, on avait dit la grenade. Putain, je suis con hein. Et puis j'en ai 5. On a un carreau électrique. On va l'utiliser. Ça c'est bien, on a de la vie. On va essayer de le passer du premier coup. Hein. Ça va pas être simple. Ah, c'est cool, on a encore un truc. Là, je prends mon. Enfin, je regarde bien. Mais voilà, j'ai ça là ici, et j'ai ça là. Ah, mais j'ai plus de munitions. On se met le flingue là. Excuse-moi, hein, je suis obligé d'un petit peu de bouiner. Chargeur, on a que dalle. On s'est pas servi du lance-roquette, hein, vous avez remarqué. Ah, Magnum, on en a quand même là. Allez. Allez, on essaye d'optimiser. Je
fait n'importe quoi là. Putain, mais c'est nul. Là, j'ai fait n'importe quoi, ça sert à rien. J'ai baisé un truc bien pour pas grand chose parce que je me plante dans les touches, voilà, c'est tout. Utiliser le magnum pour ce con là, c'est vraiment c'est dramatique quoi. J'ai perdu deux trucs super importants pour deux sbires à la con. J'ai un peu honte. Comment on fait pour passer? J'étais super. Mais pourquoi j'ai des armes qui disparaissent, putain? Ça je comprendrai jamais. Pourquoi mon flingue est parti? Le flingue est en haut et le magnum il est sur la droite. Voilà, c'est pour ça. J'ai une balle et là j'ai ça. Bon, allez. Comment on fait là? Oui, ils ont sorti leur petit costard. Comment on fait là? Attendez, je suis pas complètement. Ah, mais voilà! Vous pouvez rouvrir là, s'il vous plaît. Putain, on se refait le soin. Comment on court? T'arrives à voir toi? Putain, mais à chaque fois ça se referme. Chaque fois ça se referme. C'est moi qui suis complètement con ou... Putain. Bah, allô? À chaque fois, vous êtes. Enfin, t'as vu? Ça s'ouvre. Munition. Putain, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Non, mais là, là, je suis. Non. Ça sert à rien. Je suis mort? Bon, c'est. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce que déjà on est que deux. En plus je joue très mal, je joue très très mal. Puis je sais, je comprends pas ce qu'il faut faire. Faut tous les attendre, t'as vu, ils sont une espèce de cellule là, à descendre les uns après les autres. Pas très bien compris là. Mais je me souviens que j'en avais chié. Bon, je me redispose les choses comme... Je sais, c'est pas passionnant hein, quand c'est comme ça. Hein. On est bien conscience. Hein. Là, on a ça. Et je vais mettre le magnum. Le magnum ici. C'est chiant qu'on puisse se mettre que quelques balles. Il nous donne une grenade. Normalement, elle devrait nous servir. Voilà, oui, faut qu'on aille là-bas. Oui, d'accord, mais alors. Il y a peut-être un levier, oui. Je vais essayer de voir. Pas là hein. Non, c'est tendu. Il faut qu'on se mette les grenades. Les grenades, on va se le mettre. J'ai encore une balle de shotgun.
Putain, ça m'agace, je joue mal. Pourtant, je suis pas fatigué là ce soir. Un petit peu quand même. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Ah, oh, pour le plaisir. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Et après, c'est de pire en pire. Allez. Tu sais déjà, tu sais pourquoi je meurs? Parce que je ne sais jamais où sont mes armes, qu'est-ce que j'ai, quoi. Parce que j'essaye d'aller vite, parce que je stream, alors je me dis qu'il faut pas que je passe trop de temps dans le menu, mais en fait si, il faut que je passe du temps dans le menu pour regarder combien j'ai d'armes. Par exemple, le shotgun, il faut toujours qu'il soit à droite. Mon arbalète, faut toujours qu'elle soit à gauche. Mes grenades toujours en bas et les flingues en haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu vas voir, ça va beaucoup mieux se passer. Je vais jouer comme si je jouais seul, quoi. Ok, ça c'est fait. On repasse au shotgun en hauteur. Non, il était sur la droite. Il m'en reste une. Putain, ça c'est dégueulasse. De plus en plus difficile. J'ai pas de soin. Attends, là j'ai plus rien. J'ai 4 grenades. Ça va exploser. Allez, explose là. Mais qu'est-ce qui m'a tué là, bordel? Donc c'est bien là-haut qu'il faut aller. Tu crois? T'as vu, je dis plus non. On fait des progrès. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut que je me remette toutes mes armes dans le bon sens. Bon, en même temps, ça va de plus en plus vite. Hein. Le magnum, c'est toujours en hauteur. Le shotgun, c'est toujours à droite. Et en bas, c'est la grenade. Ce qu'il faut, c'est que dès le départ, la grenade, voilà. On puisse prendre la tête. Non, non, je regarde plus. Mais... Attendez, lui, il est facile à tuer, là. Ah, évidemment, ça lui fait que dalle parce qu'il est trop loin. Qu'est-ce que je peux être con. On va l'optimiser, lui. Allez, viens là. Allez, viens là, mon pépère. Allez, viens, viens, viens. Ah, il y a un type qui bouge son levier. Donc c'est le snipe, quoi. Mais j'ai pas de balles. J'ai pas de balles. Putain, mais on perd un temps fou, hein. Je suis désolé. Hein. Thank you.
Ah, l'animation m'a sauvé. Tu peux pas le tuer? Ah putain, mais ça sert à rien, ça m'énerve. J'ai plus de balles, j'ai plus rien, c'est dramatique. Tu me dis qu'il y a un mec avec son levier? Non, il y a personne avec le levier là. Alors, ou alors je le vois pas, mais... Salut The Losers Ben, on disait justement du mal de toi. On était en train justement de dire du mal de toi là. Nictaras il n'arrêtait pas là. Je lui ai dit bon calme-toi, ça se trouve il va arriver ce soir. C'est pas sérieux quoi. Je l'ai fait trop tôt. Oh putain, mais on pouvait passer là? Ah non, on peut pas. Là on est en train de se prendre la tête. Attends, j'ai pas le temps de le lire. J'ai pas le temps de te lire là. On a plus de munitions, on a plus rien. On en est à utiliser des trucs super pour des simples ennemis, des simples sous-fifres. La forme, je reste le temps d'une clope, je suis à l'apéro. Ah bah voilà, c'est ce qu'on disait. Exactement, on disait que tout le monde était en train de se saouler ce soir. Et que le pauvre Nictaras et moi, bah on était tout seuls. Mais que c'était pas grave, on haïssait le monde. Ça nous empêchait pas d'haïr le monde. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Bon, on les aura tous faits là. Je vais vous lire. Hein. Bon, en même temps, si tu restes le temps d'une clope, je vais pas avoir le temps. Et voilà, j'ai loupé. Ah non, c'est parfait. C'est chaud, hein. Combien il en reste dans la cage? Il en reste plus qu'un, hein. Hello, la forme, hein. Oh, fuck, tu peux pas monter par là. Quel salopard. Si, fais le tour. Encore lucide pour voir où tu en es. Ah, ça picole, hein. Ah bah, c'est du propre. Non, là, ça fait trois fois qu'on recommence. On comprend pas trop bien le principe. Ah voilà, c'est fermé avant que je puisse faire quoi que ce soit. Ah voilà, ça c'est pas mal. Ah mais je l'ai pas eu. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que je fais? Il est mort là. Ah bah bravo. On a plus rien. Non, non, je peux pas sauter au-dessus du fossé. Non, sinon je l'aurais fait, hein. Ah, quand même. Tu dois tuer tout le monde pour pouvoir rentrer, voilà, c'est ça. Ah, Nictaras. Souvent, des fois, il me prend pour un idiot. Ça me fait de la peine. Vraiment, ça me fait de la peine. Parce que je pensais t'avoir habitué à autre chose, et puis... Bon, c'est vrai que des fois, il y a des choses évidentes que je ne vois pas. Donc, à sa décharge... Je peux comprendre qu'ils me prennent un peu pour un idiot. Moi, je suis là pour animer le chat, c'est... Et là, c'est difficile, il n'y a personne. Alors, The Losers Ben a la bonté de nous donner un sou, comme ça. Hein, c'est ça, en fait. Il nous jette un sou en disant, bon, les petits gars, je suis pas sage. Mais en réalité, on est seul. En réalité, on est seul. Qu'est-ce qu'on fait là? On descend là? Il y a eu un point de contrôle, un point. J'espère, hein. J'ai envie de refaire tout, moi. Je le dis tout de suite. Ça va pas se passer comme ça. C'est fermé. Moi, je veux looter, hein. Je veux de la caisse, je veux rêver.
Bon, ça c'est pas mal, on a un soin, ça peut toujours servir. Tout pour nous. Et on peut peut-être se crafter quelque chose là depuis tout à l'heure. On est en train de faire les ouaves. Hein. Allez, on s'en fait une. J'ai appris de mes erreurs. Vous savez quoi? Cette truc éclairante, là j'en ai deux. Voilà, hop. Voilà. Je suis désolé, mais elle m'emmerde. À chaque fois, j'arrive pas à accéder vite à mes trucs. Je les utilise jamais. Alors peut-être que j'ai blasphémé en faisant ça, mais alors j'en ai rien à foutre. Je m'en fiche. Ah, t'es éphémère ce soir. Bisous les gars, bon chapitre. Allez, on t'embrasse, merci d'être venu. Oulala, 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 oulala. Ah, je l'ai loupé! Du coup, j'ai même pas vu ce que ça a ouvert. Eh, qui me tire dessus? C'est pas les guides? Qui me tire dessus? Putain, mais ils sont 1000! C'est difficile, hein? J'ai plus de balles. Allez, crame-le. On a plus rien. Et puis là, on a vraiment plus rien. Attendez. J'ai plus rien. Je peux pas finir le jeu. Je vais me cacher dans un tuyau. Qu'est-ce que je peux crafter? De quoi? De caisse? Non, on n'a plus rien. J'ai un soin. Ah, j'ai des balles là. Faire tirer dessus là encore. Et puis en plus je loupe tout. Non mais c'est pas possible. Ah voilà, il y a forcément un truc. Une grenade. On a une grenade, on a une grenade. Faut pas la louper, hein. Oh oui, c'était beau. Ah, on peut pas le cramer. Il nous a rien lâché, l'autre. C'est bon, on peut peut-être monter maintenant. Allez, on court. Il va nous empêcher de monter. Non mais là, ça va pas être possible. Attends, et le sniper en haut, vite, 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 vite. Ça c'est bon. Putain, j'arrive pas à lire. Non, c'est bon. Mais j'ai rien.
Attendez, il m'a filé des balles de flingue quand même. Oui. J'ai merdé. Ah putain. J'ai pas de soin. Il est où? Je l'ai eu. J'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien. J'ai que ça, mais je veux pas l'utiliser. Allez, ça va passer. Ça va passer. Je veux pas utiliser le bazooka. C'est bon, on va y arriver sans le bazooka, parce que c'est de la triche le bazooka. On a réussi sans le bazooka. Je peux utiliser le bazooka, vous le savez, vous le savez. Cache-toi dans les tuyaux, attends la mort. Bon, ça je l'avais lu. Mec, t'es en Irak avec le lance-pierre et tes trois crottes de nez. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Non, mais là j'ai plus rien, quoi. Alors, imagine, hein, je vais me répéter, mais c'est le. C'est ma seconde run. C'est chaud chaud, j'ai l'impression que les ennemis sont capés sur ma résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Plus je suis fort, plus les ennemis il leur faut le même nombre de balles. Je pense pas, mais c'est le sentiment que ça me donne. Hein. Bon, on a eu un petit point de contrôle très doux là. Bon, salut, Fuji. On change d'atmosphère encore. Hein. J'entends le miroir. Hein. Vous l'entendez aussi? Le micro, évidemment, le micro. Oula. Je suis en train de tout casser. Pardon. Il est où le micro? Il est où? Alors, j'ai bien fait de me planter parce que du coup j'ai pu retrouver des balles. Putain, j'ai plus rien. Ah, peut-être que c'est un petit peu plus loin. Kidman ? Non mais il est où ce miroir, vous l'entendez là ? Il faut que j'aille me grader ou quelque chose, non? Ouais, c'est là. Ça dépend combien j'en ai. Est-ce que ça vaut le coup? Pff, j'ai 3400, allez, c'est que dalle. Dans les chiottes, oui, merci. Kidman? Ah oui, c'est vrai, Kidman, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas vu, hein, depuis qu'on a perdu Joseph. Bon, là, c'est une petite salle de loot, hein, vous le savez. Vous le savez. Moi, je le sais, vous le savez. T'as 2000 d'un coup, là, c'est quand même pas mal. Valait le coup. Bon, c'est plus ou moins communément ce qu'on appelle des bureaux. Voilà. Pas tagiversé. C'est des bureaux. Bon, bah, Kidman... Allez, il y a des choses à looter là, on le sait. Alors, si vous avez l'impression que je joue très très vite et très très bien, c'est normal, c'est ma deuxième partie.
Et évidemment, qui dit femme, dit dans le pétrin. Et qui c'est qui doit venir encore aider? Hein? Je vous le donne en mille. Sébastien Castellanos. Oula, oula, oula. De quoi? Ouf! Allez, bravo. Bon, je si, un petit follow. Pour soutenir. Il y a du requin. Là, il y a du requin. Serbian Psycho, White Fog. Ouais, c'est pas mal. Leurs fausses affiches de film, là. J'aime bien. Bon, ça va, ils nous remettent ici. Bon, il faut être plus malin. Voilà. Par exemple, fallait regarder la cinématique. Donc, le requin est là, hein. Voilà, bonjour. Ah mais ça s'est refermé. Elle y remonte. On peut pas remonter? Si, allez, on y va. Et c'est moi qui suis que de mon con ou... J'ai pas compris. Je sais que j'avais eu du mal déjà la première fois. Ouais bon, allez hop. J'ai pas compris, en fait il y a un minuteur, il faut peut-être tirer dessus, je sais plus. Mais j'ai plus de balles de toute façon, donc ça va être complexe. Ça va être complexe. Mais sur PS4 Pro, vous avez vu, hein, je meuble un peu là, je pourrais parler comme ça pendant des heures. Vous avez remarqué que les temps de chargement étaient beaucoup beaucoup plus courts que s'ils étaient plus longs. Alors j'essaye de comprendre. Là ça s'ouvre, d'accord. Bah, j'y vais. Tout simplement. Tout simplement. Dans des fois dans ma tête. Bon, je sais pas si c'est les paroles exactes. En plus, c'est pas tout simplement, c'est tout doucement. Hein? Ah, il y a eu un point de sauvegarde, très bien. Tout simplement. Tout simplement. Oui, là, le requin, on l'a bien baisé. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il fallait faire, mais. C'est une affaire qui a roulé. Bon, là, évidemment, on a compris. Que c'était qu'il fallait faire tomber les corps. Kidman, j'arrive. Ouais, Kidman, j'arrive. Voilà. Comme ça, lui déjà, il va pas nous faire chier. Bon, lui, on va le faire en dernier, hein, qu'on ait le temps de descendre. Qu'on ait le temps de bouiner. Allez, 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 allez. Il va se faire, le corps va se faire baiser. Regardez. Voilà. Et moi, j'ai le temps d'aller à la caisse. Allez, monte, s'il te plaît, Castellanos. Et là, normalement, le sniper nous faisait chier, voilà. Mais là, maintenant, ça va être bon. Allez, hop, les deux corps. Je crois que j'ai voulu aller trop vite. Allez, ouvre-toi. Ah, c'est bon, ça va le faire. Allez, on dit que ça va le faire. Évidemment que non. Évidemment que non, j'ai voulu aller trop vite. Petite VOD, hein. Autant hier c'était de mes meilleurs, il y a eu énormément de passages. À la limite là c'est pas plus mal, les gens vont regarder ça sur YouTube. Ils vont pouvoir lâcher leurs méchants commentaires.
Ah, faut qu'on refasse tout? Ah bah bien sûr. Eh bien bien sûr. Pas de problème. Pas de problème, madame. Ça me fait pas chier du tout. Kidman, j'arrive. Ouais, Kidman, on arrive. Hein. Ils sont trop nombreux. Non, ils sont pas trop nombreux. Ils sont juste ce qu'il faut. Ok. Toujours très défaitiste, Kidman. Nicole Kidman, elle a toujours été un petit peu comme ça. Allez, on y va. Bon, cette fois, on se presse pas. Les deux corps sont là pour une bonne... Les trois corps sont là pour une très très bonne raison, c'est qu'il faut se taper les trois dans l'ordre. Si tu pouvais monter Castellanos, ça m'arrangerait. Donc on fait pas le con, on se fait déjà celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas? Allez, faut qu'on aille sur... faut qu'on aille là. Hein. Allez, monte, s'il te plaît. Mais monte! Ça m'arrangerait tellement. Bon, non. Lancer la boîte de pinard, ça va pas être terrible. On va le faire quand il y a le tut, tut. D'accord? Si c'est possible. Voilà, c'est bon. Bon, en deux fois, ça va. Ça aurait pu être pire. Croyez-moi. Croyez-moi. Hey, Kidman. Elle m'a l'air louche, Kidman, parce que Kidman, on l'a vu tout à l'heure avec... il y a plusieurs VOD, elle était avec l'albinos. Hein. Elle l'emmenait alors qu'elle ne disait rien. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait le château. Moi je me souviens. Trop perdu ça de vue. Kidman and check, elle check mon style évidemment. Alors attendez, on se remet bien. Putain, j'ai une balle pour chaque chose. Ça veut dire que j'ai que dalle. Bon, on a toujours évidemment possibilité de. De prendre le. Bon, la petite bouteille, je suis pas sûr que c'est. Ah bah d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai plus de grenades, hein. Non, j'ai plus de grenades. On est quand même dans le caca, là, hein. J'aurais pas dire. On va éteindre la loupiote, déjà. Attendez, ils sont 5000. J'ai eu 2 balles. J'aurais pas faire le défaitiste, mais... Allez, retourne-toi, là. Que je te tue par derrière. Il veut pas, hein, il veut pas. Allez, on y va. Il va se retourner, vous allez voir, c'est pas du tout un jeu de... Pff, ouais, voilà, n'importe quoi. N'importe quoi. Et il y a un piège. Ah bah bravo. Et il y en a un autre. C'est vraiment bâtard. Kidman, t'étais là derrière la porte, please. Allez, on les crame. Ah, oh là, ça s'est bien joué. J'ai plus de balles par contre. Allez, ramenez-vous. Merde, j'ai voulu le cramer. Mais putain! J'ai voulu le cramer pour cramer les trois. Il y a forcément un truc à looter. C'est bon, je peux me faire quelque chose. Faut faire vite, hein. Allez. Ça, c'est bon. C'était chaud chaud, hein. Je les crame, hein. Je
désolé. Kidman, c'est moi. Oh, putain, c'était ça. Ouh. Si vous n'étiez pas venu. Ne vous relâchez pas. Oh. La grenade. Attention. Allez. Putain mais... En fait, le truc était déjà dirigé. Allez, on se casse. On peut pas. Allez, on se casse, Kidman. Je suis désolé, là, je fais pas trop le gameplay, mais j'ai plus rien. Allez, Kidman, n'aie pas peur de speedrunner un peu, là. Ça fait plaisir de vous revoir. Depuis l'église, je... Vous étiez à l'église? Ouais, avec Joseph. J'étais dans un sale état avant qu'on soit encore séparés. Vous avez vu le garçon de l'hôpital? Leslie. Je l'ai libéré d'une cage, mais il a filé ensuite. Jamais le temps de fumer. Jamais le temps de fumer dans ce jeu. Donc Joseph n'est pas mort, hein, Nictaras. Posez la question. Il était dans un sale état. Bah oui, il était dans un sale état, il voulait se tuer. Bon, j'espère qu'on va pouvoir se refaire un petit peu là, parce que là on est complètement... On est tout nu. Puis il pousse le vis à mettre des caisses qui sont vides. Enfin, c'est pour bien nous montrer qu'on est impuissant. Pour bien nous faire comprendre qu'on joue mal. Ça fait quand même bizarre, t'as plein d'ennemis, la musique d'action, mais tu cours après les chargeurs. Vous avez eu des saignements de nez, des maux de tête? Non. Pourquoi? Joseph, si. C'est comme s'il était en train de devenir un de ces monstres. Peut-être que ça n'affecte pas tout le monde. Ouais. C'est possible. Mais peut-être que t'es de la magouille. Peut-être tu nous dis pas tout, Kidman. Qu'est-ce qu'on a entendu là? On a vraiment plus rien en plus, hein. Regardez. Je regarde vite fait mon autre flingue. Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Si j'ai du sniper, un petit peu, j'ai 2 balles qu'on vient juste de ramasser, j'imagine. Petite cinématique peut-être. Merci le Covid, évidemment. Il faut un petit peu de la pommade du professeur Raoult. Ah non, merde le Covid. Je croyais que t'avais marqué merci le Covid. Mais il faut quand même la pommade. Un petit peu de pommade. Faut en mettre sur les coudes. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez tiré dessus? Vous commenciez à vous transformer en monstre. Vous m'avez attaqué. Oui, mais c'est pas une raison. Désolé, mais vous êtes infecté. Il pourrait se servir de vous pour m'arrêter. Attendez, de quoi est-ce que vous parlez? Oui, de qui elle parle, là? On est enfermé, mais on est venu t'aider. Puisque c'est comme ça, on va te mettre un coup de lanterne. Prochaine fois qu'on te croise, c'est le petit coup de lanterne. Ouvre la porte. Ouvre la porte. C'est l'albinos. Leslie, c'est toi?
Leslie, c'est bien. Encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ruvik ? À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Hé ! Nous avons même pas ouvert la porte, on était obligé de la forcer nous-mêmes. Bon. J'en ai assez de ce petit jeu. Moi aussi. Léa, elle en a eu très très vite assez. Danger inflammable, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hop. Il va pas falloir utiliser le flingue. Bon, ça c'est très bien. Est-ce qu'on a besoin maintenant? Non. Bon, en fait, je suis con pour voir ma vie, je peux tout de suite... Bon, faut pas utiliser de flingue. On va éteindre la loupiote. Ah oui, d'accord. Quoi, il nous a vu là? Non. Il est bien fait lui, hein, j'aime beaucoup. Putain, mais j'ai vraiment pas le pot. On est dans le noir, comment il a pu nous voir? Il a rien entendu. Et quoi? D'où? Allez, c'est bon. On n'a rien vu, c'est oublié. Enfin, le petit lecteur de... Non mais Claro, Clive Barker. Trouve une clé. Oui. Ah oh, bah pour beaucoup de gens, hein. Pff, ça sert à rien, les... Je suis désolé, mais... Ça sert strictement à rien, les canettes, là, hein. Ça c'est pour se cacher. D'accord. On peut peut-être le tuer lui. Si on fait pas le con. Voilà. Ah non, inflammable. Oh. Inflammable, Romain. Bosseron. Romain Bosseron. Inflammable. Quel con. Qui dit inflammable dit pistolet, mais dit aussi petite allumette. Quoi, ils me font tout refaire. Ah non, c'est juste la dernière séquence. Ah non, mais on refait tout. Bon, et là on trace. Hein. Et on trace là. Hein. On a compris. C'est bon, on va pas se faire baiser. Hop. J'ai l'impression que c'est le meilleur moyen. Hein.
faut que je trouve une clé. Et on peut se le faire tout de suite. Il marche beaucoup plus vite que nous. Pas sûr que ça ait marché, hein, si. Un petit peu. Putain, mais... Ils vont me niquer avant, c'est sûr. Peut-être pas. C'est bon, on peut utiliser les pistolets maintenant? Ouais. Putain, mais je l'ai pas eu. On peut utiliser une grenade pour lui quand même. Ah, c'est bon, j'ai la carte. Ah bah oui, ça pique. Mais il fallait pas me faire chier. Faut pas se jouer à se faire peur. Qu'est-ce que tu m'as marqué? Il ne faut pas jouer à se faire peur. Tu traces. Oui, oui, oui. Mais je suis revenu sur mes pas, là. Attendez. Je comprends plus. Mais où je suis, là? Salut. Ah voilà, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Mais heureusement que j'ai quand même activé la manivelle. Heureusement qu'ils étaient cons comme des balais. Parce que sinon, j'aurais pas pu... J'aurais pas pu leur tirer dessus. Puis là, ils étaient deux sur le cadavre. Joseph. Ah, on a vu Joseph. J'étais en train de checker mon stream deck. Parce que moi, j'ai un stream deck. Tiens, d'ailleurs, Nictoras, parce que t'es gentil, je vais te le montrer. Alors, je sais pas si tu vois bien. On voit ma face, c'est les différents trucs. Là, c'est voilà, c'est pour le couper le son. Et puis les petites blagues, elles sont là. Je sais pas si tu vois bien. Il y a le chien, c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis des petites vignettes pour chaque, pour pas me tromper. Sur Photoshop. J'ai fait ça bien. Je ferai une petite photo, je posterai ça sur Instagram. Voilà, c'est dit. Bon. On va se remettre le flingue, hein. De toute façon, on a plus que ça. Et puis on va retourner à la petite baraque. Et puis on va se laisser là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Moi, je reviendrai ici. La belle télécommande. Puis là, il y a la petite musique, on peut se laisser là. On a fait quoi? On a joué 1h42, c'est pas mal. On est avec toi et moi. On a fait ça en duo. D'ailleurs, je te remercie d'être venu, ça me fait plaisir. Ça m'a permis de pas être seul. Voilà. Pour un samedi soir. Donc, bon, il y a eu quelques passages quand même. Mais bon, toujours pareil, les gens qui sont un petit peu intimidés. Mais c'est normal, par mon skill, par ma présence, par ma verve. Et puis par ta prose aussi. Faut le dire aussi, hein. Tu intimides les gens, Nictaras. Belle session, on a connu des petites galères, mais on les a traversées. Voilà. Oui, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça n'a pas fait comme avec Laura, hein, qui était terrible. Hein. On a passé 45 minutes. Eh bien, écoute, demain soir, la démo... Hein, de Resident Evil, le château. Hein, je vais faire une petite vignette et puis je vais poster ça. Demain, il n'y aura pas de Evil Within à moins qu'on ait le temps ou je ne sais quoi. Voilà. Donc demain, la démo de Resident Evil. Hein, on est dimanche. Mais ça durera une demi-heure, donc on verra ce qu'on fait après. Hein. Voilà. N'hésite pas à en parler à Léa. Je sais que elle n'est pas très Evil Within, ce que je peux comprendre. Donc voilà.
Et puis j'ai commandé un autre jeu que je vais recevoir demain, le remake. Il y a eu Nier Automata que j'ai beaucoup aimé sur PlayStation 4. Là, c'est le remake du premier qui s'appelle Nier. Et c'est un remaster, remake, et ça m'intéresse énormément. Et je pense que je vais streamer ça après. Donc voilà, l'histoire est un peu méta, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà le programme. Bon bah je te remercie, je te souhaite une excellente soirée, puis à ceux qui étaient de passage également. Et je vous laisse sur mon excellent générique de fin, maintenant vous avez l'habitude. Voilà, les VOD sont consultables sur YouTube, et puis mon Instagram, Bosson14. Allez, bonne soirée, merci à toi, tchuss.